Hey girl, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça y est, l'automne est là et je voulais vous faire une petite matinée avec moi. En tant que créatrice de contenu, je vais vous montrer comment se déroule une petite matinée sympathique durant l'automne. Dès mon réveil, j'aère mon lit pour pouvoir bien le faire avant de commencer ma journée. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand mon lit est déjà fait, que le ménage est fait, que la maison est toute propre, je me sens prête pour débuter la journée. Ça va être vraiment une matinée chill, on a pas grand chose à faire, mais j'avais trop envie de filmer cette vidéo. Parce que pour moi, quand on rentre dans l'automne, c'est vraiment avec l'hiver cocooning, on va faire vraiment ce qu'on a envie et on pose nos objectifs pour la nouvelle année. Pour la maison, j'utilise le spray de chez Hayat. La senteur, c'est Velvet Musk. Je l'ai pris sur le site AVM Parfumerie. Je vous mettrai tout en barre d'infos et j'ai un petit code promo si vous souhaitez. L'odeur reste tellement longtemps. Lorsque je vais me coucher après dans mon lit, ça sentira vraiment jusqu'au lendemain. Très important pendant l'automne de prendre soin de soi. Self-care, c'est la priorité. Toujours ma petite touche un peu tiède le matin avant de bien débuter la journée également. J'ai reçu un magnifique colis de la part de Nuager. Je suis tellement admirative du travail. Tout est artisanal. C'est elle qui a créé ses produits, ses chantilly de A à Z. J'utilise la brume hydratante au niacinamide et à l'eau de rose, ainsi que la chantilly Séoul pour réparer mon visage, toutes les cicatrices et l'acné que j'ai pu avoir durant des années. Je vous ferai un petit update si ça vous intéresse. En tout cas, les odeurs sont à tomber. Si vous pouviez sentir à travers l'écran, ça serait trop bien. Ma chouchou, c'est la chantilly Fiji, noix de coco, musc blanc, lait. Oh là là, l'odeur est fabuleuse. Ensuite, on passe à l'organisation et au journaling. Je vous avoue que je le fais pas souvent, mais il faut réellement le faire. Si on n'a pas déjà une morning routine en place, il faut se forcer à le faire pour qu'après ce soit un automatisme. Moi qui procrastine réellement tout le temps, tous les jours, c'est très grave. Il faut vraiment que je me force à le faire. Le planner et le journal que je vous conseille viennent de chez Intelligent Change. Je vous mettrai directement les liens en bio si vous souhaitez. Je voulais vous parler du nouvel aspirateur que j'ai reçu, le H2Lit Ozotec, qui est un aspirateur laveur sec et humide sans fil. C'est un aspirateur nettoyeur avec une inclinaison à 180 degrés à plat. Il a une capacité de 750 ml d'eau. Lorsque vous êtes livré de l'aspirateur, il y a directement une solution de nettoyage Ozotec. Donc pour 750 ml d'eau, moi j'ai mis seulement juste un bouchon, ça équivaut à peu près à 10 ml de solution. Pour la durée d'exécution, une fois qu'il sera bien branché à 100%, vous aurez une autonomie de 30 minutes. Donc franchement, c'est sympa pour faire tout l'appartement. Pour toutes celles qui ont des meubles hauts ou des meubles suspendus, c'est vraiment incroyable. Regardez, je vous fais la petite démo. Il pourra même passer en dessous de votre fauteuil et votre lit. J'ai pas pu vous faire la démonstration puisque mon fauteuil, il n'y a pas de pied et mon lit non plus. J'ai un lit coffre. L'aspirateur est ultra léger et il y a une autopropulsion pour une utilisation vraiment sans effort. L'aspirateur a une capacité de nettoyage bord à bord, ce qui signifie qu'il va venir nettoyer vraiment efficacement le long des murs, les plinthes et toutes les autres surfaces verticales. L'aspirateur assure vraiment un nettoyage complet, quel que soit le type de saleté ou de déversement sur le sol, donc ça c'est trop bien aussi. Et c'est sur tout type de sol, que ce soit du carrelage ou du parquet. Et pour le Black Friday, au lieu de 399,99 € il passe au prix de 229,99 €. C'est un bon plan vraiment de dingue, les filles. Vous allez pouvoir nettoyer sous tous vos meubles. Moi qui galérais à nettoyer en dessous mon lavabo de la salle de bain, alors là, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je suis conquise.
L'aspirateur dispose également d'une fonction de nettoyage automatique après chaque session de nettoyage. Cette fonction permet à l'aspirateur laveur de se nettoyer automatiquement et de nettoyer également la brosse pour une performance optimale à chaque utilisation. Vous avez juste à vider l'eau sale, bien nettoyer le filtre en plastique, enlever la brosse pour pouvoir bien la sécher à l'air libre et après vous pourrez l'utiliser une fois que la brosse est sèche, plus tard ou le lendemain. J'avais un rendez-vous à 10h chez Le Petit Lunetier à Lyon, donc c'est un opticien pour créer du contenu, des photos et des vidéos avec les paires de lunettes et de la boutique. J'hésitais trop entre ces deux modèles, donc à votre avis, j'ai pris quelle paire de lunettes ? Les filles, j'ai reçu un énorme colis de parfum de Dubaï de la part de Matin Martin. C'est un parfumeur qui est situé à Dubaï. Je sais pas si vous me suivez sur Insta et sur TikTok, mais j'ai fait découvrir à tout le monde un parfum de chez Gulf Orchid. C'est le Musc Tahara Vanille. Vraiment, c'est l'un des meilleurs parfums pour sentir le propre que j'ai senti de ma vie. Et les vidéos, elles ont fait des milliers de vues, elles ont tourné de partout. Et Gulf Orchid, tellement ils étaient en rupture de stock, ils m'ont contacté en me remerciant et en me demandant si je souhaitais faire une collaboration pour mettre en lumière l'autre maison qu'ils avaient, donc Matin Martin. J'ai accepté, bien sûr, parce que moi et les parfums, c'est vraiment un grand amour. Donc j'ai sélectionné 5 parfums, un pour homme, un mixte et 3 pour femme. Donc j'ai juste ouvert celui-ci, je vais vous montrer un petit peu le packaging, ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve vraiment ça très intéressant. Donc pour femme, j'ai pris le Jamila. Je ne connaissais pas du tout cette maison. J'ai seulement vu des revues en Amérique et à Dubaï sur ces parfums. Donc j'ai vraiment trop hâte de les mettre en lumière en France et de pouvoir bien les sentir. J'ai pris le Rose Oud, donc vraiment mon amour pour le oud et la rose ensemble, c'est vraiment fabuleux, donc trop hâte de le tester. Venez me suivre sur Insta et sur TikTok les filles, c'est là où je vais vraiment venir tester en profondeur les parfums. Sinon je sais que vous êtes grave nombreuses à vouloir encore voir les autres parties de ma collection de parfums. Il faut à tout prix que je vous fasse ça, même avant les fêtes, au moins vous savez un petit peu quoi prendre comme parfum. Je vais un peu vous expliquer les notes et tout des parfums, mais il faut vraiment que je le fasse. Ensuite il y a le Miral, j'ai vu plein de revues aussi en Amérique dessus, jamais en France. Et j'ai pris le Amber Wave. Mata-mata, tous les matins de non, des ailes de dragon tarsière, homme de Cro-Magnon, Cro-Magnon. On va bien rigoler. Ton âme rase, c'est Roxane. Et pour mon mec, j'ai pris le chat Ama. Donc on va le tester ensemble et je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Déjà, vous le recevez comme ça dans un packaging, je trouve très sympa. Donc là, vous ouvrez le parfum comme ça et je trouve sympa, c'est qu'il y a toutes les notes inscrites à l'intérieur du packaging. Donc vous avez un petit papier comme ça. Et là, regardez-moi cette merveille. Mais le packaging du parfum est absolument magnifique. Ah, il est beau, il est beau. Il est trop, trop beau. Donc en fait, tous les parfums ne sont pas noirs. Je sais pas pourquoi ils ont fait un packaging noir sur presque tous. Mais ils ont chacun une couleur différente. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Donc là, pour l'homme, vous avez capté un noir comme ça. Et regardez franchement la beauté de la bouteille. Canon, j'adore. Avec le doré là, vous avez inscrit le nom du parfum. Et là, on va le tester. Donc en note, épicé, fruité, oud, carnation, géranium, laser, encore du oud et balsamique. On va sentir ensemble, donc je pense que ça va être vraiment un parfum très très fort avec un sillage vraiment très important et très oud, très oriental. Franchement, il est très fort, très épicé, très boisé. Franchement, il sent trop trop bon le oud, mais il est vraiment très très fort. Donc je pense que celui-ci, si vous le mettez en layering, donc c'est-à-dire mélangé avec une autre odeur, ça peut être vraiment très sympa, surtout pour les femmes. Je trouve pas qu'il fait très masculin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime pas. Ouais, toi t'aimes pas parce que t'aimes pas trop les odeurs très oud. Je pense pour celles qui adorent vraiment ne jamais sentir comme les autres et les odeurs très prononcées, très épicées, très orientales, vous allez kiffer. Mais moi je le mélangerai bien celui-ci avec de la vanille, de la rose. Bon les filles, si vous voulez voir un unboxing et un petit crash test, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Je pense que je vais tout déballer avec vous sur ces deux plateformes. Sinon, je sais que vous étiez grand nombreuses à me demander aussi des vidéos sur mes revues parfums avec toute ma collection. Je vous promets, j'essaye de vous faire ça au plus vite. Là avec le Black Friday, avec tout ce qu'il va avoir pour les fêtes de fin d'année, ça va être horrible. Là j'ai plein de vidéos à tourner, mais je vous promets, j'essaye de faire ça au plus vite. Ma petite matinée se termine avec du montage, encore et toujours de la création de contenu, des petites idées pour cet après-midi devant un petit film de Noël. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros 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 bisous.